Human Rights Watch a publié un rapport sur l'échec des autorités kenyanes à protéger les femmes et les filles d'abus sexuels perpétrés lors des violences post-électorales de 2007. What we found was that most of the rapes were actually gang rapes. Les survivantes de ces violences post-électorales au Kenya ont été oubliées, exclues. L'année prochaine, le Kenya va de nouveau se rendre aux urnes, alors que les femmes qui ont été violées brutalement il y a pratiquement 10 ans n'ont jamais été indemnisées et n'ont pas vu la couleur de la justice. Le gouvernement kenyan n'a non seulement pas délivré d'aide médicale, psychologique et sociale aux victimes, mais il les a exclues de l'assistance fournie aux autres victimes de violences. Violence post-électorale. Survivors of post-election sexual violence in Kenya have been forgotten and excluded. Nous savons que de nombreuses survivantes, dont certaines citées dans le rapport que nous publions aujourd'hui, ont été violées par des agents de la sécurité d'État. En 2008, la police a même établi un comité pour étudier ces cas et a indiqué que 66 plaintes ont été déposées contre des officiers de police qui auraient pu être impliqués dans les viols ou d'autres formes de violences sexuelles contre les Kenyans innocents. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun rapport public ou indication de l'administration kenyane indiquant ce qu'il est advenu de ces 66 plaintes. Pour cette ONG, le gouvernement kenyan a fermé les yeux sur ces crimes, créant les conditions pour que de nouveaux abus se produisent.